on était au Croustillard, un moment donné, moi et Félix, puis là, on a dit ça à la blague, en fait. On va partir un resto, on va venir à la semaine, ça va être après. Un moment donné, Alex est parti chez nous, ça faisait un bout qu'on s'était pas vu. À part au Croustillard, puisqu'on était peut-être un peu content. On a jasé de ça, mais étrangement, on est revenu là-dessus, mais avec peut-être un air un peu plus sérieux, puis on savait qu'on tenait de quoi. Le lendemain, il est revenu, puis le projet, tu sais, le concept général, tu sais, le guideline du restaurant, il a comme pondu en une seule soirée. À la base, ce projet, c'était censé se situer à Shawinigan. Okay. Simon était censé venir nous aider. En fait, sa condition, c'est genre, les gars, je vais venir vous aider, mais moi, mon rêve, c'est d'être à Victoriaville, dans ma petite ville, puis avoir mon restaurant là-bas. Puis toi, vu que vous avez déjà quelque chose ici, ouais, c'est ça, ça fait moins difficile pour toi de partir. Exactement. Puis Simon, entre-temps, je pense que, je me trompe pas, t'as... Ben moi, en fait... Dans le Alex, t'as présenté le menu, t'as comme trippé. Nous autres, on avait fait notre cours de cuisine ensemble. OK. Mais Alex, lui, il l'a pas fini. Oui? Puis, mais ça, on a tout le temps gardé contact pareil. Puis, on s'était tout le temps dit... quand on s'est rencontrés au cours de cuisine, qu'on se partirait de quoi maintenant ensemble, pis tout. Fait que c'était avec tout le temps été. Tu m'avais parlé de ça, du projet avec Mato. Moi, entre temps, j'ai, dans le fond, la mère d'une d'un de mes bons amis avec qui j'ai joué au soccer pratiquement toute ma jeunesse. Elle m'a abordé parce qu'elle me laisse partir en immobilier. Puis dans le fond, elle avait comme vu, dans le fond, parce qu'elle avait trouvé son local. Puis elle voulait un restaurant pour les choses. Puis elle avait pensé à moi, que je travaillais déjà dans quelque part. Puis qu'il parlait de franchiser, de peut-être bien emmener le concept à Victor. Puis moi, j'étais pas d'accord, dans le fond, parce qu'Alex m'avait parlé de son projet, puis ça me rejoignait déjà beaucoup plus. Je l'ai abordé, j'ai parlé du projet avec. On a décidé de tout se rencontrer. Puis finalement, ben. Mais Félix, il est rendu associé avec elle. Ouais. Ils ont acheté la bâtisse ensemble. Et les choses font en fait que on est les trois liés à Victoriaville. C'est quand même la génération pas mal internet, tout ça. Fait que, c'est pas mal original ce que vous voulez faire au niveau pour la promotion, tout ça. C'est fini. Ah oui, ça fait longtemps que je l'en fais, mais tout est arrivé à un moment donné que le parti. Ah, moi j'ai dit ça prend ça. Je pense que c'est ce que je me suis dit. C'est le marketing 2.0 en 2016, c'est ça. Premièrement, c'est notre amour, notre passion pour la bonne bouffe, la bonne table. T'sais, bonne bière, bon vin, bonne soirée, bonne compagnie, on s'amuse, on mange bien, c'est beau. T'sais, on aime le beau, le bon. J'ai les deux meilleurs cuisiniers à côté de moi, on va servir la meilleure bière, le meilleur vin avec le meilleur service qu'il n'y a pas, le mieux présenté, puis ça va se passer à Victoriaville au 44. Victoriaville n'aura jamais connu un restaurant aussi bon que l'autre. Dans sa totalité, dans l'ambiance, dans la bouffe, dans le service.